Masque, bonsoir. Ça va? Ça va, Masque? Le respect. On est venu manger du maïs. Tu es à côté de l'homme de Dieu. Tu sais pas. Le Seigneur ou mon père? Il vient là avec les poids. Il vient quoi le tout? Voilà. Regardez, c'est de ça que vous vivez. Un sac de maïs comme ça là, vous m'entendez bien. Maintenant là, je ne prends pas un sac. Pourquoi? Je m'achète des vaches. Mais le sac de maïs, ça peut coûter combien? Le sac de maïs, maintenant, peut être dans les 10 000. Wow. Le sac de prune. Un bon filet. Un filet de bonne pincée. Le filet de bonne pincée, c'est 40 000. Donc ça baisse un peu et après c'est 40 000 parce que depuis c'était 55, 60 000. Donc maintenant c'est 45 000. Une bonne pincée. Et quand vous faites, le maçon, ça vous faites avec le sac de filet ou bien le sac un peu de poudre que vous achetez? Non, j'ai pris seulement un peu aujourd'hui. Oui, Manassé. Pourquoi mon frère monte là? Accorde-moi mon petit sac là. D'accord. Donc, on a mis le sucre dans le maïs là. Trop bien fait. Wow. Je commence à me faire. Donc je vis jusqu'au bout.
Parce que vous avez des enfants. Oui, j'ai 4 enfants, maman. Il fait payer, non? Non, non. Il a donné 100 francs. Il a donné 100 francs. Il a donné 100 francs. Il a donné 2 pieds de pincée à l'eau, 1 pied de sédal. Ok, merci. Il est mort. Hein? Oui, ça peut être. Oh, oh. Condoléances. Tu es malade. Laisse les gens. Oui, je suis tombée sur les petits. Alors comment j'ai les petits? Oh, on l'a dit. Thank you.
la tête molle. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est une maman qui a 4 enfants. Son mari est décédé, ça fait 4 mois. Elle m'a dit qu'elle utilise le maïs grillé. C'est grillé ou braisé? Le maïs grillé pour nourrir ses 4 enfants, les envoyer à l'école. Et ça, j'ai tenu à l'encourager avec un petit capital. Parce que vous voyez, ce genre de personnes, il faut les encourager. Elles passent la journée au marché à cotiser ses 100 francs. Le maïs, c'est 100 francs. La prune, c'est 100 francs. Elle a très bien fait son maïs. Donc moi, j'étais déjà couché à la maison. Lorsque maman a envoyé acheter le maïs, on m'envoyait dans ma chambre un maïs. Et j'ai goûté le maïs, c'était extraordinaire. C'est comme si on a planté ça avec le sucre. Donc du coup, j'ai dit à maman que moi-même, je vais au marché acheter le maïs. Voilà la femme qui fait ce genre de maïs. Voilà pourquoi je suis sorti. Dans la vie, fais bien ton travail. C'est un mouchoir. Fais bien ton travail dans la vie. Le travail bien fait a toujours un bon salaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ.
un seul conseil, quand tu fais un travail, fais-le bien. Parce que tu ne sais pas qui ton travail va attirer. Que Dieu te bénisse, Shalom.